Carnet rose. Emma Stone et son mari Dave McCary ont accueilli leur premier enfant le samedi 13 mars dernier, dans la discrétion la plus totale, à Los Angeles. Une information dévoilée par le site TMZ ce vendredi 26 mars, à laquelle les jeunes parents n'ont pas réagi. Pour l'heure, ni le sexe, ni le prénom du bébé n'a été révélé. Il faut dire que la comédienne de 32 ans est une connue pour être une pro de la discrétion. Très secrète, l'actrice oscarisée pour son rôle de Mia dans La La Land n'a pas communiqué publiquement autour de sa grossesse. En janvier dernier, elle était aperçue par des photographes du Daily Mail dans en pleine promenade dans les rues de Los Angeles, arborant un ventre bien arrondi. Elle semble très heureuse et très excitée de devenir mère, elle est constamment en train de bouillonner. Elle a l'air superbe et en bonne santé, elle est rayonnante, avait précisé un de ses proches au site US Weekly. Emma Stone, heureuse et amoureuse depuis 4 ans, Emma Stone file le parfait amour avec Dave McCary, comédien, scénariste et réalisateur de sketchs pour le Saturday Night Live. Le couple s'était rencontré sur le tournage de l'émission américaine en 2017. Depuis, ils vivent leur idylle loin des feux des projecteurs. Les tourtereaux ont annoncé leur fiançailles en 2019 sur Instagram en dévoilant un cliché complice où l'actrice affiche fièrement la jolie bague que lui a offerte son bien-aimé. Puis CIST en 2020, dans le plus grand secret que les amoureux se sont dit oui. Avant ce mariage, celle qui sera bientôt à l'affiche du film Cruella, a vécu une histoire d'amour de 4 ans avec son partenaire dans Spider-Man, Andrew Garfield. Ils se sont finalement séparés en 2015 après plusieurs ruptures.